Donc tes résultats ont inspiré pas mal de personnes de part. Même moi, le premier, quand j'ai vu les montants, je me suis dit, attends, mais je vais d'abord l'appeler pour qu'il me dise un peu comment il a fait. Donc est-ce que tu peux juste partager un peu ton. Voilà, dire un peu comment ça s'est passé et raconte pour inspirer d'autres personnes. Parce qu'il n'y a pas que moi qui ai des résultats, il y a également bien évidemment les participants qu'on accompagne. Exactement. Donc moi, en fait, malgré que je travaille en finance, donc ça fait 10 ans que je travaille en finance, j'y connaissais rien en immobilier. Et avant de m'engager là-dedans, je voulais vraiment avoir une formation solide et en fait avoir une bonne base pour pas me rater sur mon premier achat, parce que je sais que si on se rate sur son premier achat, ça peut être très long pour se récupérer. Donc c'est là que j'ai commencé à suivre Florian, je pense que c'est connu sur YouTube justement. Donc ça a bien marché ton marketing sur YouTube. Ensuite, je suis venu à un événement comme ça il y a 3 ans, le dernier que tu avais fait avant la pandémie hein, finalement. Puis j'ai pu voir en vrai ce que tu proposais, etc. Et après je me suis dit let's go, on prend le malgré que ce soit. Moi aussi je me suis dit au début, quand j'ai vu le montant de la formation, comme l'expliquait tout à l'heure Adrien, c'est ça. Je me suis dit ah ouais, ça va être peut-être compliqué. Je me trouvais des excuses, etc. Mais après moi j'avais mon objectif en tête. Et je me suis dit, dans tous les cas, ça va être rentabilisé et ça n'a pas manqué justement, parce que je suis passé à l'action avec en rejoignant tes formations. Et après, je suis passé à l'action en achetant directement un quadruplex à Trois-Rivières. Puis ensuite, en allant pour le programme KBO, j'ai vu toutes les opportunités justement que ça m'a rapporté. Et franchement, moi, mon programme a été rapidement rentabilisé dès la première transaction. Donc déjà merci Florian pour les formations et pour nous avoir permis, pour nous permettre à tous justement d'évoluer et d'atteindre nos objectifs. Donc c'est un peu ça mon parcours, mais j'en suis qu'au début, on continue et c'est pour ça que c'est important d'avoir un réseau, d'être là tous ensemble, de s'entraider et puis d'avancer de l'avant avec ça. Donc voilà mon petit feedback par rapport à ça. Juste pour ajouter par rapport à ce que Quentin a dit, Quentin a pu acheter un quadruplex à Trois-Rivières et par la suite il a évolué sur le programme d'entreprise. Donc on apprend à lever des fonds à travers des marges d'entreprise. Et tu as débloqué à peu près de combien? C'est 300, 400. Au total, c'est ça, un peu plus de 300 000, c'est 300 000. Ça. Et encore, je peux aller chercher bien plus avec le KBO et il faut bien l'utiliser, ça peut servir à plein de choses en fait. Tu as des retours d'impôts aussi. Voilà, quand je dis plein de choses, moi je veux pas dévoiler, tu vois, je veux pas trop en dire parce qu'après, voilà, je laisse l'homme parler, mais entre autres, il n'y a pas juste les investissements à aller chercher, il y a question les retours d'impôts. Excuse-moi. Oui. L'important, c'est pas juste le montant. T'as combien de temps? En combien de temps j'ai été chercher ça? En fait, en marche perso, j'ai été chercher 200 000 en 4 mois à peu près. Et avec le KBO, ça a été direct en un mois, je pense que j'ai été chercher 100 000. 3 mois pour combien d'années de salaire? Pourquoi? Combien d'années de salaire dans quel sens? Le montant que tu as. Ah oui, ouais. Ah oui, combien? Ah non, je compte même pas là. C'est 6 ans, quelque chose comme ça là, ça c'est. Ouais. Mais non, il y a. Et pour dire cette année, j'ai été très tranquille, mais là, l'année prochaine, je vais réattaquer. Donc il y a beaucoup de choses à faire, notamment au niveau des impôts, mais encore plein d'autres stratégies que je n'ai. je laisserai Florian en parler. Ouais. Surtout, Quentin, ça a été le premier participant du KBO. Tout premier, ça je ne l'ai pas dit. Ouais. C'est pour ça que je te remets ton certificat d'accomplissement. Merci, hein. Merci. Pour avoir inspiré énormément de personnes, parce que ceux qui sont dans le programme, ils savent les résultats de Quentin, parce qu'à chaque fois je dis va voir Quentin parce que les montants qu'il a pu lever, franchement merci, ouais. Également pour tes félicitations. Merci à toi pour le programme et on fait que commencer, hein. On fait que commencer, il y a plein de choses qui s'en viennent encore. Merci.